zawadzał ustku, stylu, nešto šta zaista popunjava puntu našeg adama u prezoni. Hoćete obiti ljudi, svi ste pozvani, evo dočekamo rođendan grada uz ples na gandu za Donc, bonjour madame, monsieur, bienvenue à Dubrovnik, bienvenue en Croatie. Je m'appelle Ivana et je serai la guide pour les clients, pour les touristes francophones. Avec nous pour la journée, pour l'excursion, notre chauffeur Nicolas, qui faisait juste transfert jusqu'à la station Pile, la station prête à la vieille ville de Dubrovnik, et aussi mon collègue Mario pour les touristes qui parlent la langue allemande. Le programme pour aujourd'hui, c'est le transfert jusqu'à la station Pile. Puis nous faisons un petit balade par la vieille ville ensemble. Je vais vous indiquer des monuments et des choses plus importantes dans la vieille ville de Dubrovnik. Et puis vous auriez un petit peu de temps libre juste pour faire quelques photos à Dubrovnik, de profiter de beau soleil. Et puis le départ de Vieux-Port par le bateau pour l'île de Lokrum. Quand on arrive sur l'île de Lokrum, on est au paradis. C'est une belle île située juste 700 mètres de la vieille ville de Dubrovnik. Navette à peu près 15 minutes. On faisait une balade ensemble avec des explications à moi pour, de l'île de Lokrum. Et puis, vous auriez le temps libre. Bien sûr, pendant la visite, je vais vous dire l'heure de retour de bateau. Bien sûr, après la visite, après le temps libre de l'île de Lokrum, le retour au vieux port, on traverse la rue principale de Dubrovnik ensemble et je vous accompagne jusqu'au bus que nous attendons sur la station Pile. Bien sûr, j'ai déjà vu que certains de vous ont aperçu le bateau de bois à votre droite, le bateau qui s'appelle Karaka. C'est la réplique de bateau Benchon du 16e siècle, fait il y a quelques années par un chantier naval à côté de Split pour les raisons touristiques. Donc, il organise des excursions, des couchers de soleil donc, sur la mer. Les fêtes de mariage, c'est possible même qu'il organise les fêtes de divorce, j'ai pas de bonne idée. Donc, maintenant, je passe le micro à mon collègue. Merci. Liebe Gäste, die Deutschen und die Österreicher natürlich, aber auch andere Schweizer und sowas, vielleicht. Schönen guten Morgen. Es war meine nette Kollegin Ivana auf Französisch. Ich hoffe, Sie verstehen alle Französisch, ich brauche nicht übersetzen. Doch. Gut, ein paar Wörter dann auch. Mein Name ist Mario. Ivana wird uns, wir werden zusammen sein, hier nur zur Zeit, nachher abhängig, vielleicht privat zusammen, aber jeder wird nachher für sich etwas, eine schöne Ecke finden.
und der Fahrer Nicola wird mit uns zusammen sein und wir mit ihm nur diese 10-15 Minuten bis Pilleplatz, wo wir aussteigen. Und da ist die letzte Station, da muss jeder aussteigen und zu Fuß laufen. Zu Fuß natürlich, laufen muss man immer zu Fuß. Das dauert dann 10 Minuten bis zum Ende der Hauptstraße, aber wir möchten Ihnen unterwegs natürlich auch etwas erklären. Und das tun wir auch. Und wir kombinieren diese gemeinsame Führung, kurze Führung, orientiert. Das ist eine Orientation für Sie dann ja, in der Altstadt. Danach haben Sie kurz Freizeit. Wir sagen Ihnen immer genau die Zeiten. Nächste Zeit, die Sie sich nur merken müssen, bitte, dass wir uns, ich zeige Ihnen, wo wir uns treffen, 5 Minuten vor Bootsabfahrt.